attention. Alex, elle s'est coupée. Périmètre ouvert, Tate. On peut y aller. Hey, salut tout le monde, hein. Je suis Mikard Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Call of Duty Modern Warfare. Et voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Donc on est go. C'est parfait, 3 devant, retrouvez-vous. Jaguar 4-7, ici Echo 3-1, besoin d'une frappe, c'est marqué. Echo, Jaguar est prêt à tirer. La voilà, c'est planqué derrière. Ils sont où? Là. Verrouillé. Raté, corrigez le tir. Raté ? N'importe quoi, on vient de les avoir là. Attends. C'est lui ou là ? J'avais un lance-roquette là ? Bon bah tant pis hein. Pas temps là. Il est où? Il est invincible ce mec ou quoi? Ah bah quand même. Désolé. Là. Non là-bas non. Si au cas où ça traverse l'arbre. Bon. Là-bas. Non, ça c'est un des nôtres. Prenez cette colline. Là. Raté. C'est bon. Là-bas. Char, parce que... J'essaye de viser. Là-haut, raté. Attends, je vais charger et je vais viser avec le laser. Ah! Je peux pas le viser, c'est en train de tirer. Go, go! Ah, pas go, 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 là je me fais avoir. Ok, moi je vais par là. On va aller ici, nous. Non, non. Hélicoptère en approche, abattez-le. Où ça? D'accord. Ne vous arrêtez pas. Oh, la colline. On a bien voulu viser... Il est près du pick-up. On subit une effet. Bah ouais, mais c'est ça la guerre. Arrête de bouger, toi. Non mais... Laissez-vous tuer. Je croyais qu'il n'y en a pas un autre à l'intérieur. Enfin, j'ai cru qu'il y en avait un là, mais non. C'est bon, j'y suis tout de suite. On est avec deux.
planté. Là-bas ? Je sens partout en fait. Ah ! Désolé, comment tu fais déjà ? Caïd. J'essaie d'aller là-haut, moi. J'arrive pas à rester. Je sais pas pourquoi je bouge trop en fait. Je sais pas pourquoi. Ouvrez-moi. C'est là-bas là. Bim. Et... Ah, j'ai eu. Ah, j'ai quasiment plus. J'ai 3 munitions là depuis. Plus de précision. Couvrez-moi. Grenade, grenade. Ouh, putain. Hélico en approche. Oui, l'hélico. J'ai changé. Arrête de bouger. Là. Non, raté. Voilà, c'est bon, j'ai eu. Ah putain. Mais ils sont à 1 milliard. Putain, c'est dingue. Il fait quoi? Ah ouais, attends. C'est vrai que la fumée là c'est plus réaliste là. Elle se retire pas d'un coup. Faut s'ouvrir. Voilà votre cible. Allez. C'est un ennemi là. La voie est libre. D'accord, j'y vais. Je regarde par là s'il n'y a pas un chemin. C'est ici. Attends. Équipe Echo, c'est votre point de départ. Regardons. Ok, d'accord. Allez, au boulot. On y arrivera. Ouh. Je savais pas qu'un labo avait besoin d'autant d'armes. On va tout enterrer. Dispersez-vous. Bah attends, j'ai changé là. Dispersez-vous. Oh, attention. Oh, c'est bon. Je vois plus rien, moi. Je vois plus rien. Vous êtes blessé, bah oui, forcément. Hein. Si l'autre il faut 150 balles pour le tuer. Bon, ça va pour l'instant. Ça va.
suis allé en... en assaut, quoi. Je monte au premier étage. C'est bon. Ah ! C'est qui m'a tiré dessus ? Ah d'accord, là y'a personne parce qu'en fait c'était l'autre gars qui montait, j'avais pas vu. Je monte au premier étage. C'est qui me vise d'ici là? Ah, il vise de l'étage là-bas. D'accord. En fait, je recharge constamment parce que j'ai pas envie de rester à court de. Enfin, d'être à court de. De munitions. Attends, on y va. Ce que je vais faire. Allez. On va prendre le fusil à pompe. Je suis pas très fusil, mais comme ça au moins. Si c'est à court de. À courte portée, le fusil à pompe, ça sera très bien. Je vais en haut, moi. Passe au deuxième étage. Couvrez-moi. Putain. Tape fort, hein, quand même. C'est bon, là c'est fait. Là, ami, là j'ai tout fait, donc c'est bon. On peut y aller. Pardon. Le fourgon, salut. Alex, Farah, passe... Nikolai, passe tout devant. Prenez vos charges. Allez, go! Le détonateur lancera une réaction en chaîne. La fournaise saute, le reste suivra. C'est ça, ne le perds pas. Pourquoi nous aider? Barkov déshonore mon pays. C'est inacceptable. Spasiba, Nikolai. Je vais apporter le reste à Price et au sergent Garrick. Ok. On se retrouve tout à l'heure. Voici. Ouais, attends, je charge. Où ça? Ah. Il est mort de peur. C'est par là. Ennemi à découvert. Faut couvrir. C'est bon. Ça. Reçu. Ah putain. Je l'ai mal visé.
Putain, mais... C'était un mec. Bon, on a pas de fusil à pompe, on prend celui-là. Attends, je fouille. Un peu partout parce que je sais pas trop où on doit peut-être aller là-bas, oui. Mais je regardais s'il y avait autre chose. D'accord. Allez. C'est cool. Oups. Merde là. D'aller là. Ils vont s'en occuper, moi je vais là-haut. Je peux pas? Oh, ils sont trop... Enfin! Voilà, on a un problème. Putain, on a mis du temps à le tuer celui-là. Vous me recevez? Je vous écoute, leader. On a repéré le général Barkov. Il se dirige vers l'héliport. Echo s'approche de la fournaise, leader. Posez vos charges et amenez-vous. Merci, terminé. Tu l'as entendu. Dépêchons-nous d'en finir ici. Ok, go. Putain, je te jure, le temps que j'ai mis... C'est eux qui les posent, hein, d'accord, c'est bon. Non? On peut tous les poser ou pas? Non, apparemment c'est eux qui les posent. La fournaise est par ici! Voilà la porte! Je m'en occupe. Ok, d'accord. Je croyais qu'il y avait un bug, mais en fait, non. Dégagez! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est défoncé. Il est foutu. Je vais y aller. Et faire quoi? Enflammer la fournaise. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je sais ce que je fais. Pharah, écoute-moi bien. C'est toi qui m'écoutes. À cause de ce poison, mon peuple subit des choses pires que la guerre. Je vais certainement pas faire demi-tour maintenant. Je te demande pas de faire demi-tour. Je te demande de me donner un ordre. Je peux pas faire ça. Commandant, allez. Je ne suis pas ton supérieur. Alors qui? Quelqu'un va devoir allumer ce feu et va devoir aussi tuer Barkov. Tu ne peux pas tout faire. J'ai obéi aux ordres toute ma vie, Pharah. Mais celui-là, j'y crois vraiment.
Alors donne-le-moi. Tu te bats pour la liberté, Alex. Tu es une leader, Farah. Donne-moi l'ordre. Va. Bien, dame. Ok, d'accord. On va revoir Alex, on sait pas encore. Là, on va faire Kaït, je pense. Compris, Echo, on joue à la canalisation. C'est bon, sergent. Finis les règles, hein, capitaine. Plus aucune. Commencez par ce sniper. Il est où? Là. Attends. Il est où? J'essaye de regarder. Ah! Il m'a touché. Il est là. C'est bon, je le vois. Ah, en fait, je peux pas le viser. Hein. Enfin... Non, je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Je peux pas l'avoir en fait là. Attends, j'ai un œil. Qui me gratte. Ok. Le pilier. Quel pilier? Il y en a des 5... Il y en a 150 des piliers. Je vois pas comment je dois faire là. Cible à 30 mètres. C'est bon. Là-bas. C'est bon. Là-bas. Je regarde tout. Il y en a un là-bas. Et là, c'est snipe là. Près du pilier. J'ai pas vu. J'ai cru qu'il y en avait que deux. Ah. Viens là toi. Ah putain, je voulais le récupérer. Il a explosé d'un coup. Je l'ai eu. Je crois hein. J'essaie de bien viser. Là. C'est
c'est bon. Il y en a un près des compteurs. De l'avoir. Continuez, Kyle. Oui, j'y vais. Ah, mais c'est vrai. À la gauche, abattez-les. Et vous quoi, l'autre là? Ah, ils l'ont tué. D'accord, j'ai rien dit. Attends, j'attends que ma vie remonte d'abord. C'est bon. Bravo, avec moi. Les canalisations mènent par ici, finissons-en! À vos ordres! C'est chaud quand même! Bien, placez les charges, allez! Go, c'est parti! Ah, les charges sont en place! Et Barkov et les poils! Para, Nikolai, vous êtes où? Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous de leur part. Karim. Bon voilà, non, j'ai rien dit. Moscou tout de suite. Je me fous de leur part. Ah, Karim. Cette milice que tu prends pour une armée sera assez vite. Ah bah c'est bon. Je pensais que j'allais le laisser me tuer pour... Allez. Bah alors. Bon, dans la gorge, il doit mourir. Ah, il y avait des réponses à faire, mais... Laura, qu'est-ce qui se passe? Capitaine, Barkov est mort. Bien reçu. Alex. J'ai pas eu le temps, en fait. J'ai vu les trucs s'afficher, les choix, Alex, mais j'appuie sur RT direct, quoi. Alors allons-y. Merci. Avec plaisir. C'est bon, capitaine. Compris. À toutes les unités, à mon signal. 3, 2, 1. On fait le tour de l'air. La cible est détruite. Bon travail. Rendez-vous au point d'extraction. Karim. La mère patrie approuverait. Où on va? L'Urzikstan. On rentre. Ok. C'est la fin? Un thé? Ouais, la bonne bière la plus proche et pas à côté. La Russie renie Barkov. C'est pas comme s'ils avaient eu le choix. Il est mort. Vous avez fait beaucoup pour ce problème, John. Pour l'instant. Mais sans surveillance. Ce sera pas le cas. Le général Shepard a retiré les fichiers demandés. C'est pourquoi exactement? Une force d'élite. On a déjà des ennuis. J'y mettrai un terme. Je finance des agents, pas des hors-la-loi. Profitez bien de votre thé. Zakaev veut le trône de Barkov. J'ai failli l'enterrer à Pripyat, avec Macmillan. Ça, c'était le père. Là, c'est son fils, Victor. Chouette famille. Des grands fans d'Adir. Ah bah, ça explique pourquoi il est toujours en vie. Ils vont le faire sortir. Alors donnez-moi carte blanche. Vous emmenez qui? Le sergent Garrick. Kyle?
Il l'appelle Gaz. Il n'a jamais rien dit. John McTavish, SAS, sniper, démolition, surnommé Soap. Pourquoi ? C'est top secret. Le voilà. Simon Riley. Il n'y a pas de photo. Jamais. Pour le reste, on va faire un marché. Sinon, je vous dis rien. Quel nom de code vous voulez ? 1-4-1. Ah, c'est fini. Je pensais qu'il y aurait une dernière mission, mais non. C'est fini ? Ouais, c'est fini. Bon ! Eh ben, c'était vraiment génial. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, on attendait un Call of de ce nom, et ils l'ont fait. Donc, à voir pour la suite, ce qu'ils vont faire comme nouveau Call of. Hein, on va en faire un autre. Hein. Il faut qu'ils restent sur cet aspect-là. C'est un truc, moi, qui me plaît. Donc, moi, je suis plus solo que multi. Hein. Je joue de temps en temps en multi, mais c'est plus solo que moi que j'aime bien. Donc, eh ben j'espère que ce let's play, parce que, en tout cas cet épisode vous aura plu, hein, et que ce let's play donc de Call of Duty Modern Warfare 2019, hein, vous aura plu. Donc likez la vidéo avec un gros pouce bleu, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve donc dans un nouveau let's play. Quand j'en sais rien, donc on verra bien ça. Donc merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans un nouveau let's play. Ciao! L'évacuation est en cours. Al-Qatala a pris le contrôle de la ville. C'était tranquille avant. Plus maintenant. L'Est et l'Ouest ont rebâti Verdansk après la guerre froide. Cette coopération ne leur a pas plu. Ils ont des blindés et des armes lourdes. Des terroristes avec des chars. Qui commande ? Une nouvelle tête. Sympa. Son nom ? On ne sait pas, mais il a des amis haut placés. Ça vient des Russes. Où est-ce qu'on a eu ça ? Mon homologue à Moscou. La CIA travaille avec le FSB. C'est pas la première fois. Kamarov. Capitaine Price. Nikolai. T'as pas su te tenir ? Venant de toi, c'est un compliment. Écoutez, on est tous amis ici. Je te devais bien ça. Pour Beyrouth. Le sergent Kamarov va aider à conduire l'opération. Avec ses armes, Al-Qatala va pouvoir passer du terrorisme à la guerre totale. C'est un problème. Pour nous tous. On lance une force multilatérale pour traquer le nouveau chef d'Al-Qatala et prévenir cette menace tant qu'on le peut. On vient. Dites-nous ce qu'il vous faut. Et on s'y met. L'histoire se poursuit dans Spec Ops. Donc, il va y avoir une suite avec Spec Ops. Ça sera le nom. Call of Duty Spec Ops. Ok, bon, bah cette fois c'est vraiment la fin. Je me dis toujours, comme dans les films Marvel, qu'il y a une scène post-apo, pas post-apo, enfin une scène, dernière scène, genre, pour faire la suite dans un prochain film. Et là, genre pareil, et donc là on a une guerre qui se prépare, qui est même déjà lancée par Al-Qatala.
avec leur nouveau chef. Donc, ok. Donc là, on va faire copain-copain avec les Russes. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer dans le prochain God of War, j'allais dire. Call of. Donc, comme je vous ai dit, merci d'avoir regardé cet épisode. Merci d'avoir regardé ce Let's Play. On se retrouve dans un prochain Let's Play. Ciao!